en direct du Palais du Peuple. C'est sérieux ici. Les pétitionnaires se sont déchaînés. Les autres doivent partir. Oh non, mais faut pas quitter, chers amis. Oh. Non, mais restons. Restons ici. Sacré! 5000 Mbappé sur un abacosan. Il y a plénière à l'élo. Sacré! Ça va! Sacré! Bagokende! Mabunda! Mabunda! Alléluia! Beto! L'autorité morale! Là, c'est le président! Après le combat. Le président du groupe parlementaire. Un grand combat. Voilà. Les grands pionniers. Oui, les héros. L'initiateur de la motion. Voilà. C'est sérieux au Palais du Peuple. Madame Mabunda, les FCC veulent faire un forcing, mais les pétitionnaires sont déchaînés. Ils disent qu'ils ne peuvent pas leur laisser la voix. Mbote. Et Koufi. Kinkole. Et Koufi. FCC signifie Félix champion du Congo. Félix champion du Congo. Ah non, je viens d'arriver, j'étais pas là. Tu sais qu'on peut tout faire sur toi. Non, jamais. Jamais, ton fils. Je viens d'arriver, j'étais pas là. Mbote! Bandungu ya papeni! Bandungu ya munu! Jambo mingi!
Alors, pour tout vous expliquer, c'est que selon les règlements intérieurs, Madame Mabunda, l'honorable Mabunda, ne peut plus convoquer ni présider une quelconque plénière. C'est le doyen, suivant l'article 31 du règlement intérieur, dans son avant-dernier alinéa, c'est le doyen qui peut convoquer et présider la plénière pendant laquelle sera examinée, seront examinées d'ailleurs les différentes pétitions. Mais ici, on veut faire du forcing. On veut faire du forcing. Il percute. Bagokende. Alors, c'est le doyen seul qui peut d'une pétition. Donc la motion de soutien n'est pas réglementée par notre règlement intérieur. Donc ça ne tient pas debout. Non, jamais. C'est de l'invention des FCC. Donc Madame Mabunda doit partir. Le FCC est habitué à tricher durant 18 ans. C'est fini. Et vous pensez que maintenant que Fatshi est au pouvoir, il peut laisser ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Donc on peut comprendre qu'il n'y a pas de plénière. Non, on ne peut pas tenir une plénière. Non, mais dès qu'elle est mise en cause, elle ne peut plus présider. Oui, elle serait jugée partie. Dès qu'elle a reçu la pétition, la correspondance, qui a déjà dépassé le 250 Montre ton visage. Voilà. Ok. Maboko. Ah. Voilà le grand héros, il est là. L'honorable Mayembo est là. C'est le représentant des pétitionnaires, élu de la circonscription de Isangi dans la province de la Tchopo. Voilà. C'est un grand héros. Très chers collègues, en tant que votre président de l'Assemblée nationale, c'est sérieux. Voilà, pour avoir forcé la main, les députés se sont pris en charge. On a détruit l'espace. Oui. On ne peut pas forcer la main. Le juge a dit aux collègues qu'il était incompétent, mais nous sommes compétents. Voilà ce qu'est devenu l'estrade et le bureau des membres, le pupitre des membres du bureau. Voilà, les grands héros sont là. Dans l'ombre. Akokende.
Akokende te, akokende. Akokende. Alinga, alinga te. Akokende. Mabunda. Akokende. Oui. Oui, token. Salut Gisèle. Bonjour collègue, ça va? Mais c'est quoi ça? Mon Dieu. Je vais casser ça. Madame. Non, je vous dis vrai. Avec tout le respect. Ah, avec tout le respect. Et puis tu continues. Non, moi je finis là-bas. Et combien de Bitumba? Coca moi. On a envoyé une femme pour dire un incident. Oui. Alors, il faut éviter. Bonjour. Réaction Nanga Isaac, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Et aujourd'hui, les représentants du peuple se prennent en charge pour dire que c'est fini. Ce bureau doit partir, la majorité a changé de camp. Et c'est ce qui doit être compris, et c'est ce que le peuple doit comprendre. Madame Mabunda ne peut pas être juge partie dès lors qu'une pétition a été signée contre elle de plus de la majorité absolue. Elle ne peut plus se permettre de convoquer une plénière. C'est ça, en fait, la réalité que nous suivons. Je suis en train de faire un live aussi au même moment. Nous condamnons les actes de vandalisme, mais comprenez, ça procède de réalités parlementaires. On ne fait pas du forcing. Bonjour. Bonjour. La pétition a été signée par plus de 250 personnes. Donc, on ne peut pas tolérer une autre violation du règlement intérieur qui prévoit que lorsque la pétition est signée individuellement contre tous les membres du bureau, la plénière est convoquée par le doyen et non par le bureau qui est mis en cause. C'est ça le règlement. L'article 31 dans son avant-dernier alinéa. Donc l'honorable Mabunda ne peut plus se permettre de convoquer une quelconque plénière. C'est ça, au fait, la réalité. Et nous sommes là pour ça, pour barrer la route et faire respecter notre règlement intérieur. Voilà. Je vous entends.
Nalinga la tolobi boye. Baimboka ba député oyo ba signa ki pétition baza bongo plus de 250 et mobeko na biso ya Assemblée nationale et lobby ceux qui ba signé pétition contre ba membre à bureau bango nyonso na moko moko individuellement donc oyo akobengi sa plénière za libongo doyen oyo amukolo na biso na bambula donc présidente nani sortante mabunda akoki susu ko bengi sa plénière te et yango ba monique bitumba ebi même awa babuki bisika ba sale la kawana alors biso tozawana boebi que honorable poelandia bandai masoloyo à travers requête nanga na conseil d'état et oyo tozo vivre ezalinde continuité nango et tokoki kozala libanda te photo soutenir action ango voilà je vous en prie. Pardon, j'ai pas de carte ici, j'ai pas de carte.